mardi 24 janvier, lors de la 5e saison de Marié au premier regard, s'est adressée à ses fans en story Instagram. La compagne de Mathieu a expliqué pourquoi elle avait pris ses distances avec les réseaux sociaux ces derniers temps, faisant le point sur ses derniers projets. Si est-il sans doute l'une des plus belles histoires d'amour de Marié au premier regard. Entre Mathieu et Laure, ce fut le coup de foudre lors de la 5e saison de l'émission de dating de M6. Un couple emblématique qui a d'ailleurs concrétisé son idylle en donnant naissance à une petite Lia, qui a fêté son premier anniversaire le 25 août dernier. Pas besoin d'en faire une tirade, on est juste fiers de toi, de nous, de la petite fille que tu es. Love you princess ont-ils écrit en légende d'une vidéo sur Instagram. Un réseau social où la jeune femme est particulièrement présente, n'hésitant pas à échanger longuement avec ses abonnés et aborder des sujets personnels, comme le jour où son frère a volé, par inadvertance, le sac de Pascal de Souterre, le psychologue de l'émission. Mais depuis cette story du 5 octobre dernier, les internautes n'ont plus eu beaucoup de nouvelles de Laure. Laure et son agenda surchargé ce mardi, la jeune maman a finalement brisé le silence. Dans une vidéo postée dans sa story Instagram, elle explique à ses abonnés pourquoi elle a été plus distante ces derniers mois. « Je ne suis pas hyper présente car beaucoup de choses à gérer, d'ailleurs, pour me libérer du temps et m'aider, j'ai pris la décision d'embaucher quelqu'un » révèle-t-elle à ses abonnés qui ne s'attendaient sans doute pas à ça. « Je cherche quelqu'un pour m'aider dans mes différentes sociétés » précise-t-elle, espérant trouver la perle rare parmi ses fans. J'espère que vous allez bien et je vous dis à plus tard. Conclut-elle avant de dévoiler le profil recherché, celui d'une personne à l'aise avec les réseaux sociaux justement. Histoire de se libérer du temps professionnel pour le consacrer à sa communauté, elle qui se sentait déjà dépassée lors de l'arrivée de sa fille semble décidément bien sous l'eau.